C'est recalmé d'un coup, allez. Et ça peut repartir. C'est parti. Hop. On repart sur le bitcoin. Hop là. On a 3538 pots. We are rich, of course. Je me connecte. Ah oui, le short du maire. Le short du maire, où est-ce qu'il a... Il faut qu'on trouve le short du maire. Où est-ce qu'il l'aurait perdu? Ouais. Élevage d'animaux aussi. Construire un poulailler. On n'est même pas rendu là. Ah oui, hop là. On n'est même pas rendu à ça. Il est mignon, mais non. Ça n'existe pas encore. Hop là. Alors. Ah, il y a trois trucs. Merci d'arroser la... la barrière. C'est hyper important. Oh, le fait de s'être fait avoir là au printemps, là, d'avoir tout perdu. Ouais, ça t'a calmé. Ça va. Non, mais c'est surtout tout l'argent qui a été perdu, quoi. Ça se prend pas encore. Clair. C'est quelque peu fâcheux. Temps qu'on a passé à les arroser ces trucs pour qu'ils crèvent. Ouais. Tu rigoles, mais bon, sur le moment, t'étais pas trop en mode... Ça va, je l'ai pris avec philosophie, j'ai dit ok, je ne connaissais pas cette mécanique. Maintenant si. Oui, c'est vrai, ce n'est qu'une expérience dans la vie. Il faut le prendre comme ceci. Tout à fait. Exactement. Bon bah voilà. Ah, je sais pas si en or. J'ai des fleurs en or. Tac. Ok. Voilà, le chat est content. Bon bah si voilà. Tu allais là où tu as trouvé la hache, est-ce que tu penses que tous les objets apparaissent à ce niveau-là ou pas? Mais je me rappelle plus où est-ce que c'est. Peut-être tu en bas. Tu me disais en bas. Bah viens. Écoute, je vais essayer de. Attends, ouais, je vais essayer de venir. Pourquoi j'ai un piment? A marché. Je crois que non, c'est pas assez fort. Hop là. Pardon, je suis en train juste de. Qu'est-ce que tu fais avec le piment? Je ne sais pas ce que je fais avec un piment. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour le ramasser. J'ai même pas fait exprès. Cinématique. J'ai une cinématique, pas toi? Non. Berk, ça sent mauvais. Ah oui, d'accord, oui. T'as les égouts. Oui. Gunter à la clé. Oh, il y a un arbre en plein milieu là, ça donne trop envie de le. Oh, c'est tombé dans la flotte. Alors, quand tu fais tomber un arbre dans la flotte, les bûches disparaissent. Ça disparaît, je sais. Le nombre de trucs que j'ai perdu. Je crois que j'ai trouvé. Parce que tu choisis pas de quel côté il tombe.
Ça vient d'où la légende comme quoi il y a des crocodiles dans les égouts? Non, non, il y en a déjà eu. Hein. Donc, ah ouais? Sur Paris dans les années 80. T'es sûr que c'est pas une légende urbaine? Non, non, j'ai déjà vu la vidéo. Dans les. T'es où là? Perdu. Tu es descendu au sud? Bah oui. Je t'attends près du gros étang. Du gros étang? T'es parti à gauche alors, légèrement à gauche? Oui. Je te vois pas. C'est pas là où était le caleçon? Le lâche? Non, t'es parti à l'ouest, là en bas. Enfin, je suis pas sûr, hein, tu vas me dire. Parce que moi, je. Il me semblait l'avoir vu ici. Dans un coin vers la droite, là. Non, tu vois pas de hache qui traînouille? Si. Ok. Oh, quelle mémoire. Elle est ici. Waouh. Tu m'impressionnes. Ouais. Donc, oui, non, non, il y avait les aigrettors, il y avait une personne mal intentionnée qui avait enlevé son animal de compagnie et puis. Il a grandi un petit peu dans les égouts, mais il était mal en point, le bestiole. Disons que c'était pas son milieu naturel d'habitat. Donc, Ah ouais, ok. Voilà. Bon, pas de caleçon? Bah écoute, je cherche, mais je sais pas. Qu'elles sont bien cachées les choses, hein. Genre tu viendrais pas ici en mode. Il y a le monsieur qui vend les chapeaux, mais je suis pas sûr qu'il ait vu les caleçons. Moi je vais aller voir le monsieur du musée pour avoir les clés des égouts. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et je vais aller voir Robin pour lui rendre ça âge du coup. Ouais. La porte est verrouillée. Mais papillon, papillon. Heures, voilà une journée encore à rien faire, merveilleusement bien orchestrée. Je sais pas si on peut acheter un truc là-dedans. Là. Oui, bah oui, 16h30. Ouais, il est beau, hein. Bah oui, donc je n'aurai pas le musée ni Robin. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Non. Pour la paix, je vais faire les poubelles. GG. Alors, j'ai remis du bois. Pas grand-chose. Hop là. Je sais pas ce qu'on peut faire des fleurs. Je sais pas quoi en faire. Ah, j'ai une baie épicée en or, je peux la garder. Pour le je sais pas quoi. Je crois que je les avais déjà, mais garde-la au cas où. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait construire là? Tout de suite. Des arbres fruitiers. C'est pas constructible. Il nous faudrait des lingots de fer quand même pour faire la ruche. Fournaise c'est fait, pancarte on s'en fout, engrais. Un seigneur. Deux lingots de cuivre et du bois. Placer un seigneur sur un chêne en appât et attendez. Ça se trouve ça peut être bien. On tente ou pas?
C'est quoi? C'est, tu sais, un truc, tu le mets sur un arbre et ça fait couler, alors, je suppose, de la sève. Ah bah vas-y. Bah après on peut essayer pour voir, est-ce que ça se trouve il y a une rentabilité au bout d'un moment, je sais pas. Je sais pas la particularité en fait. Je sais pas parce que la sève, est-ce qu'on s'en sert vachement, pas sûr encore. Je sais pas, on peut, en fait on peut le mettre n'importe où. Je sais même pas c'est quoi comme arbre en fait. Si je mets ça là, ça fait quoi? Est-ce que c'est le bon arbre ou pas? Bon, on verra. Au pire. Ensuite, qu'est-ce que vous pourriez faire? Un casier à crabe, mais il faut des lingots de fer. Un anneau solide. Je pourrais. Un feu de camp. Ou un steak d'insectes. Les steaks d'insectes, ça peut être pas mal. Où est-ce que j'ai mis ça? Je peux faire des steaks d'insectes. Comme ça, quand on part à la mine. Hop, on a de quoi manger. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, let's go, let's go. J'essaierai peut-être d'aller à la mine dans un ou deux jours. Ouais. Demain, il pleut pas. Vivre à la ferme, c'est quoi ça? Vous regardez vivre à la ferme. Nous sommes de retour avec une nouvelle astuce. Écoutez bien. À partir de demain, une quantité inhabituelle de coquillages et de coraux devrait s'échouer sur les plages du monde entier. Je ne suis pas un scientifique, mais j'entends dire que cela avait un rapport avec la saison de reproduction des crabes. Quoi qu'il en soit, vous pourriez vous faire une petite fortune en ratatissant votre plage locale. Je crois qu'il essaie de nous dire un truc. Bah écoute, demain je vais à la pêche. Par contre, je sais toujours pas comment on gère les appâts. J'ai pas récolté un seul truc dans les poubelles, c'est chaud. Ah ouais? Non, il y avait rien du tout aujourd'hui. Les gens ils jettent pas assez. Bande d'éco-responsables. Les gens ils trient trop, je trouve. Ouais, y'a rien de récupérable. Comment on fait pour vivre, nous? Bon bah voilà. On n'a rien fait hier. J'ai jeté le tapis du chou le chat. Je t'ai mis un charbon ici. Il fallait peut-être pas le mettre là. Si, si, c'est là où je mets en fait. Parce que comme c'est près de tous les ustensiles. Là. Ah, c'est parti se coucher en plus. Attends, je fais juste un petit cuivrounet là. Ned. Vais-je y arriver? Oui. Oh, okay. Après, je sais pas s'il faut toujours les arroser. Est-ce que s'il y a une journée où on les arrose pas, ça va péter ou pas? Bah, essaye avec une plante déjà. Parce que là, il faut vraiment descendre dans la mine, récupérer. Non, à la plage. Oui, non, mais ah oui, on peut y aller. Mais tu sais pour. Qu'on puisse faire des lingots de fer pour faire des arroseurs automatiques. Bah écoute, là on fait la plage aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses. Ouais, ils sont jeux à la pêche aussi. C'est ok?
Allez, le chat il a pas à boire, on s'en fout. Tu t'es caché ? Tu peux aller au musée si tu veux. Je vais juste aller au... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais juste aller au musée avant. Je te laisse la plage si tu veux. Moi, j'ai juste à la pêche. Il n'y a que 3 coquillages, je te les laisse. J'ai pas cherché là-bas. Oh le coquin. Un tilapia. Tu me le laisses lui hein. Ah ouais? Oui, la dernière fois je t'avais dit de me le laisser, tu l'as vendu. Je vais le vendre alors. Je sais toujours pas comment ça marche les appâts. Un rouge. Laisse la madame tranquille. C'est un monsieur, il s'appelle Elliot. Ah. Alors, respecte un peu. Là, tu vois, quand il y a des bulles, en fait, il n'y a plus de bulles. Un tilapia. Quand il y a un endroit avec des bulles, il faut que tu jettes ta ligne. C'est là où tu as plus susceptiblement de... Je n'arrive pas à remonter. J'ai jamais réussi à remonter avec la manette. D'accord. Donc, je pêche pas, mais pas parce que je veux pas, mais... Parce que je suis incapable de le faire et que ça me frustre trop. Oui, madame. Compliqué pour le joueur français. Thank you.
Oh le coquin. Oh rien. Allez. Putain. Mais comment veux-tu pêcher? Ah, je loupe celui-là, c'est clair. Comment veux-tu que je remonte ça? Mais c'est fou ça. Passer 3 heures et puis à la fin je vais pas y arriver, ça va faire boulot. Bon allez, les couilles. Mais je comprends pas, vraiment c'est... Oh le gameplay de la plage des fois c'est vraiment le plus stressant. Hein. Et c'est vraiment compliqué à prendre en main. Faire. Je vais aller voir Robin si ça te dérange pas. Vas-y, hein. Il est 16h, dépêche-toi. Ouais, et après on ira, on fera la mine demain. Ouais, ouais. Ça a pas l'air chaud. Si. Pour 10 000, on peut remplacer un sac à dos pour avoir 36 emplacements. On peut acheter un arbre si tu veux, on a assez pour acheter soit un cerisier, soit un abricotier. Cerisier, c'est meilleur. Il faut 28 jours pour produire un cerisier mature, porte des fruits au printemps. Ne se développe que si les 8 carreaux environnants sont vides. Let's go. Ouais. Allez, c'est parti. Si je le mets là. Je sais pas là. Pourquoi il veut pas, oui. Je sais pas si est-ce qu'il faut qu'on l'arrose, est-ce que. Qu'est-ce qui se passe dans la vie pour ça là? Est-ce qu'on peut mettre des engrais? L'arroser, mais évidemment ça sert à rien. C'est quel poisson que tu voulais que je garde? Tilapia. Tilapia. Et le reste, attends, t'as eu quoi d'autre? Parce que j'en ai plein qui me manquent. Rouget. Je vends ce que demain, ceux qui ne vont pas. Bah, je t'en laisse. N'importe quel. Un de chaque race. Après, j'ai pas besoin de deux. Bon, bah, j'ai pas vu Robin. Bah, ça demain, te dégage. C'est mine. Y a pas un truc qui pourrait être hyper rentable à vendre? Il n'y a pas un wiki Tout ce qui est des fruits, enfin tu sais, les panais, c'était ça, donc je pense que c'est toute base de l'alimentation du printemps. Tous les coraux que j'ai eu et tout, j'en fais quoi? Je les vends? Bah ouais. Alors,
amis, où est tilapia, ma chérie? Tilapia, ok. Là, je regarde la wiki, là. Je veux la vente, moi. Ils disent pas, ils disent le prix qu'on peut... Où est-ce que t'es? Ici, à côté. Ah oui, je te vois. Ils disent le prix qu'on peut acheter les objets, mais la vente, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ah merde, je suis con. J'étais en train de défoncer un arbre où j'avais laissé le seigneur dessus. C'est drôle. Dodo? Mal. Charbon, graines sauvages. Ouais, le corail quand même, il y en avait. Ouais. 1497, pas mal. Ouais. La pêche dégueulasse. Ok. Oh ouais, vu comment tu galères, franchement. Ouais. Is not rentable. Vite, il pleut. Oh merde, interaction. Allez Groot, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Il y a quelques jours, j'ai fait une découverte capitale dans mes recherches sur l'environnement local. Je vais t'épargner tous les détails techniques et aller à droite au but. Tu connais cette grotte vide vers l'ouest? Eh bien, je connais un moyen de transformer en quelque chose d'utile. Pour nous deux, je vais utiliser cette grotte pour attirer des espèces locales. De cette façon, je pourrai les observer dans un environnement plus contrôlé et tu pourras récolter tous les produits qu'elles produiront. Super. Je peux soit faire une sorte que cette grotte fasse pousser des champignons ou attire des chauves-souris. Les chauves-souris produisent parfois des fruits que tu pourras récolter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Champignons ou fruits? Moi je crois que j'ai pris fruits. Ah oui? Je sais plus ce que j'ai pris. J'ai pris chauves-souris ou champignons? Je crois que j'avais pris chauves-souris moi. Et moi si je prends champignons, est-ce que tu crois que ça va... développer autre chose. Je prends les champis. Eh bien, je vais aller tout préparer pour toi. Ça devrait pas prendre beaucoup de temps. T'es parti à la mine, ma chérie? Non, mais tu sais, je devais m'arrêter en chemin pour me donner les poissons et tout. Donc, je me suis dit que voilà, on faisait un. Je prends de la bouffe et on y va. Allez, on se retrouve à la mine. J'ai ma hache cette fois-ci. J'ai ma pioche. Tu me dis quand tu es à l'endroit de la fontaine. Ah, je suis en haut là. Je suis près de la fontaine, là je monte. Tu vois le panais doré? Il m'en faut 5. Le panais, c'est le printemps. Ouais, mais t'en avais qu'un. Enfin, ouais, je pensais qu'il en fallait qu'un en fait. Bah, apparemment, des dorés, il en faut 5. Ouais, bah, je saurai pour l'année prochaine. T'es où toi? Tu en es où là? Je sors de la maison là et je monte. Moi, j'y suis. On se retrouve au niveau 25. Niveau 25, il n'y a rien si ce n'est trouver l'échelle. Il n'y a ni... Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bizarre comme niveau 25. T'es où là? Ouais, mais c'est un truc de transition, tu sais. J'arrive à l'entrée de la mine. D'accord. Je
je me prends tous les murs possibles et d'accord, imaginables. Si tu veux. Je prends l'ascenseur, 25. C'est bon. C'est bon. Je prends juste à gauche. Super épée là. Oh merde. Pardon. Ouais, elle te donne des trucs super. Hein. Oh. Attention. Merci. Premier qui trouve la sortie. Le bruit que ça fait quand tu pètes un tonneau. Une caisse, ouais. Bah, bah, bah. Je l'ai. Très bien. Il n'y avait rien d'intéressant. Oh non. Oh putain, attends. Et merde. C'est chiant, tu peux pas changer de direction en même temps que de taper. On les avait pas fait ce niveau. J'ai pas du slime, il m'en faut 90. Oui, oui, je me rappelle. Est-ce qu'on a niqué toute la faune et la flore? C'est bon, là. Tu savais que quand tu... Attends, on clique gauche. Donc pour moi, c'est un clic gauche, mais je sais pas sur ta souris. On peut visiblement faire un... Tu as trouvé la sortie ? Elle est là, ouais. Un truc intéressant ou pas ? Ah oui. Un petit minerai, là. On n'a pas qu'un. Ok. C'est bon pour toi? Attends, tout est à droite. Allez. Il y a un slam de... Un slam. Oula. Et du monde au balcon. C'est bon, je les ai eu. Il est bizarre ce slime qui est différent des autres. Il est bizarre épée ce slime. Épée de la forêt. Super. Elle est à combien? J'en ai un à moi maintenant. Super. Bah, c'est la même que la tienne. Allez, garde pour toi. C'est celle que j'avais. GG. Bah oui. Allez, je prends la sortie. Ouais. Je sais plus comment sortir de... Voilà. Attendra pas. Hein. Non. Pas le temps de niaiser. Je te laisse à la droite. J'ai la sortie au cas où ça t'intéresse. Ah d'accord. Ben oui. Là j'ai un putain de minerai là. Hop là. Moi j'ai des coffres de fou. Genre vraiment une dizaine. Ah coucou. Attends, ah j'ai la sortie là. Vite. Ah t'as une sortie aussi. Ouais. Défonce-toi! J'ai plus de place. Laisse-moi! Allez, go!
J'ai 5 géodes, tranquille. Peut-être la manger, ça. Il peut manger ça, truc de fou. Ok. Ouais, faut que je mange aussi. 17h43, est-ce que tu crois qu'on faut qu'on arrête là, peut-être? Parce que si on descend, je suis pas sûr qu'on fasse 5 niveaux, on peut essayer hein, jusqu'à 23h, mais ça peut être chaud patate. On va t'en revenir demain. Ok. Enfin, à moins que. Ouais, non, trop tard. J'ai hâte de trouver de nouveaux trucs dans la ville. Ouais. Je prenais juste en fait un fruit là. Bah. J'ai 5 géodes que je pourrais te laisser aller proposer à Dr. Nozman. Ah, j'ai plus de place moi pour ça. Tous les poissons, même ceux en or que je n'ai pas besoin, je les donne ou pas? Oui, tu les vends. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre les pépites pour voir combien ça coûte. Les pépites de cuivre là que j'ai là. C'est... Ouais, on en a besoin quand même, non? Ouais, c'est vrai. Je t'avais pas déjà essayé que ça valait pas grand chose. Non, c'est le lingot que j'avais mis. L'appel du gain. Je te mets l'artefact et je te mets les géodes. J'ai un crabe. Je sais pas ce que je fais avec un crabe, mais j'ai un crabe. Ça t'intéresse? J'en avais besoin, c'est bon, j'ai donné déjà. Ok. J'ai une géode Omi. Qui peut être... Tiens, je te laisse regarder. Tac. Dun, 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 dun. Alors... J'ai des graines, des germes de riz, mais sauf qu'on est pas au printemps, ça marchera pas. On est d'accord, ouais. Voilà. J'ai des graines à planter au printemps, des germes de riz. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. J'ai un crabe, ça t'intéresse ou pas? Non, j'ai déjà donné. D'accord. Oh non, le chat! Ah, dégage le chat. Ouais, ouais. Putain, il fait toujours le même coup. Dégage! C'est bon, on va passer. Tiens, moi je vais faire ça. Mais de ta gueule! Comment ça? Coup de pied au cul de ce chat! Oups! T'arriverais pas à virer le chat? Je suis passé pourtant. Là, tu peux passer, non? C'est bon, merci. Oh, quel bougre. Hein. Dodo? Ouais, Dodo.
Extraction minière plus une compétence de pioche. Nouvelle recette, friandise du mineur. C'est tout. Franchement, ça vaut pas. C'est pas beaucoup hein, ce qu'on a gagné là. Pour tout ce que j'ai mis dedans, en poisson, en machin. Ouais. Je retourne dans la mine. Alors, je viens avec toi. Tu as pris de quoi manger ? Ouais, ouais. Je suis des fruits, je sais pas quoi. Des tomates. Qu'est-ce que tu veux garder comme fruit ? Tomates, un chac. J'ai vraiment envie d'une bière blonde, la vieille bière ordinaire, on peut pas la faire. J'ai besoin d'une bonne bière blonde. Ok. Il y a quelqu'un qui me veut bien. Ok, juste comme ça, on se casse. Alors, je te mets ça. Ouais, on arrose pas ? Oui, il faudrait, mais on s'en fout. Je te laisse ça. Blé, t'as déjà eu ? J'ai même plus. Un piment, une tomate, un melon, un houblon. Ouais. Tac, tac, tac. Ah, du houblon, faudrait peut-être qu'on fabrique de la bière. Il y a quelqu'un qui me demande une bière. Le biome va légèrement changer, tu vas voir. T'as vu ? On est d'accord ? Là, il faudrait limite avoir une torche, en fait. C'est bon, t'arrives à voir avec son écran ou pas ? Ouais. C'est juste... bizarre quand même. Faut les tuer les chauves-souris ? Ah oui, faut les tuer. Mais je la vois pas en fait. C'est bon. Elle est partie ? Ouais. Oui, elle est partie dans un décès. Donc là, on a de nouveaux ennemis. Ah, regarde, je vais tout de suite. Ça part tout de suite sur le. Attends, je vais voir s'il y a du minerai, s'il y a des trucs intéressants. Ouais, non, c'est tout. Ok. Go, continuez. Bon, un zombie.
Allons de là. Oh. Pardon. J'ai une crampe de doigts. Impossible de slider vers mon. Vers ma pioche. Ça sent la chauve-souris. Il y en a un peu pétard. Faut faire une torche prochainement. Bon, après, je pense qu'une torche, ça doit être. J'ai trouvé sortie ici, si ça t'intéresse. Oui. C'est de la pierre en fait. Je vois une pierre violette. Ah non, faut pas. Oh, ça peut être intéressant ça. Je sais pas, oui, je sais pas si c'est une pierre normale ou. Ah, oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? À l'aide. Bah, de mon côté, il y a une lumière étrange, tu sais, comme quand c'était vert et qu'il y avait une attaque de. Ah. Il doit y avoir une attaque de plein de. Oh, de chauves-souris. Non, c'est la. J'en ai c'est deux. C'est une topaze. Tu y arrives, c'est bon ou pas? Ça va. Tu gères? J'ai la sortie. Ah super. Je prends 2 minerais de cuivre et j'arrive. Attends, je me fais attaquer. C'est bon. Mais non, de là, mais quel. Ah. Qu'est-ce que tu manges? Une barre de chocolat. Ok. Ouais, parce que les chauves-souris m'ont défoncé. Et ça donne pas autant, beaucoup. Hein, le... On est arrivé sur un niveau. Ah bah j'ai trouvé le. La... Ah bah tiens. 15h20, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être continuer. Ah oui, je pense. Allez, go. On continue l'aventure en bas? Ouais, y a pas de. Y avait rien de spécial. J'ai pas vu. On voit pas les trucs complètement. Je vois les chiffres qui apparaissent, mais je vois pas ce que. Oh, je me fais attaquer. Ah ouais? J'ai vu des chiffres apparaître. Ouais, peut-être que pour la prochaine fois il faudra des torches. Enfin, sauf si toi tu vois bien après. Absolument pas. La sortie, tu l'avais, non? Non. Ça va nous faire le coup de la dernière roche, bien sûr. Comme on les aime. On a déjà la sortie. C'est juste qu'elle est dans le noir, on la voit pas. Ah, je la vois ici, là. Ok. C'est bon. À un moment, j'arrivais pas à avancer, j'ai cliqué sur tous les boutons. Parce que la pioche, elle faisait rien. Et puis en fait, je suis rentrée dans le machin. J'ai fait, ah, d'accord. Là, j'ai une pierre bleue aussi. What the fuck? Quoi? J'ai cru taper sur la pierre bleue, elle est disparue, mais je suis pas sûr. C'est quoi la pierre bleue? J'en sais rien. Ah, je pensais que t'en avais déjà eu. Attends. Ça, c'est une améthyste. C'est de l'améthyste. Oh, j'ai encore la place. Allez, vite, on tryhard. Une jade pour toi. Ouais, t'as plein de géodes à envoyer. Ouais, ça va être chouette ça. Moi je kiffe.
pense. J'ai. Ah, t'as la sortie là. Déjà il y a un Attends, je vais explorer pour voir s'il n'y a pas un truc intéressant. C'est bon pour toi? Ouais. Est-ce que j'ai d'autres choses à manger? Tu as besoin ou pas? Ouais, j'ai plus rien. Je pensais que deux casse-croûtes suffiraient. Tiens, attends. Bouge pas. C'est ok? Merci. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? Pour un petit moment, de toute façon là on fait 2-3 trucs à peine. Puis... là on arrive sur la fond. J'ai entendu une chauve-souris. La sortie là, non, mais la prochaine c'est fois bon. Je me donnerai plus à manger. C'est que on a fait deux. J'ai un lance-pierre. Oui. Vous avez un lance-pierre. Qu'est-ce que c'est? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et je pense que la fois prochaine, on va avoir des pierres précieuses. T'as vu là où on est là? C'est trop beau. Je rentre moi parce que je suis épuisée. Il faut que j'arrive à rentrer avant d'être morte. Ouais, et là c'est mort. Super, on est arrivé au niveau 40. Moi ça me va. C'est ce qu'il fallait faire. Pourquoi fallait on a à travers 10 niveaux parce qu'en fait ça fait partie d'une demande. GG. Tu me donneras les géodes? Ouais, demain repos. Ah ouais, là ouais. Oh non, je vais peut-être m'évanouir. Non, c'est bon, dans une heure. Attends, il y a une poubelle. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens te casser. Quelque chose ? Oh, mais moi, j'avais rien vu la dernière fois. Niveau 5, agriculture. Alors, soit éleveur de bétail, j'ai le choix entre deux possibilités. Les produits d'origine animale valent 20% de plus, ou cultivateur, les récoltes valent 10% de plus. Bah, les récoltes, c'est ce qui s'en sert le plus. Hein, je prends ça pour l'instant. Nouvelle recette, fabrication escalier. Escalier ? Ouais, je peux fabriquer des escaliers. Qu'est-ce qui a coûté aussi? Ah oui, c'est vrai que là, j'étais chercher les productions du jardin. T'as entendu? Ouais. C'était toi?
Non, non, c'est le bruit d'un lion. Atteignez le fond de la mine. Très bien. Alors, maintenant, il faut atteindre le fond de la mine. Ah oui, d'accord. C'est pas très utile, son truc-là. Nous avons le plaisir de vous informer que votre ferme sera présentée dans le prochain numéro de la tribune de Stardew Valley. La rubrique tendance, félicitations. Pourquoi? On n'a rien fait, nous. Laissez-nous tranquille. T'as pas encore mis les géodes? Tiens. Vas-y, amuse-toi. Qu'est-ce qu'on fait les ailes de chauve-souris, là? Matériaux. J'en ai besoin d'une, mais c'est bon. T'en as? J'en ai déjà sur moi. J'ai une grosse bombe. C'est pas une petite bombe, c'est une grosse bombe, tu dis. C'est une grosse... Attends, je la mets là, pour que tu puisses la voir. Ah ben non, t'es dedans. Vas-y. Voilà, je l'ai mise. Ah ouais. Génère une explosion, faites attention. C'est même pas une petite bombe, là, c'est un truc de ouf, là. Comment on fait des munitions de pour le lance-pierre? C'est des pierres, non? Bah non. Ou alors il y a un truc à faire, attends. Requiert des pierres comme munitions. Oui, mais comment? Alors j'arrive pas à associer. À moins qu'il faut faire R comme recharge. Comment on fait pour recharger? Alors X C E F M W. J'ai des pierres justement avec moi. Ah c'est bon, ok. Clic droit. Ah d'accord, attends, si je fais un clic droit sur... Ok. D'accord, ok, c'est bon. Mais je sais pas si c'est efficace. Alors, courrier. Des melons, tu peux en avoir 5 avec une étoile d'or. Oh, ça va être compliqué là, je suis vraiment pas du tout dans l'agriculture là. Ça, on le fera dans les prochaines années, je pense. Quand on aura un méga jardin, tu sais, automatique. Salut, toi, ma gorge est presque aussi sèche que le sable que l'on trouve dans le désert. J'ai vraiment envie d'une bière blonde. Vous en avez? La vieille bière ordinaire ne fera pas l'affaire, j'ai besoin d'une bière blonde. Pam, pam. Allez hop, une bière pour Pam. Encore? Salut Groot! Nous avons le plaisir de vous informer que votre ferme sera présente dans le prochain numéro de Tribune Valley. Ouais, c'est ça. C'est qui Pam et où est-ce qu'on trouve une bière? Je ne sais pas, mais tu as eu du houblon. Donc est-ce qu'on n'aurait pas dû, on devrait pas avoir un truc pour le faire? Est-ce que tu as bien le micro devant toi? Là c'est mieux? Oui. Où est-ce qu'il était ton micro? J'avais dû taper dedans. Oh non, il me faut 10 ailes de chauve-souris, j'en ai pris que 6. Si, non. Tu veux que je t'en ramène? Non, bah je vais faire l'aller-retour. Je t'en ramène, attends.
Ah oui, mais attends, c'est une par une, je crois. C'est compliqué de donner le tout. T'en veux combien? 10. Mais tu me donnes le paquet et eux, ils en garderont 10. Mais, le souci, en fait, 6. C'est quand je te donne des trucs, tu sais, ils vont les faire une par une. À ouais, moins, non, mais je vais faire les retours. Je les ai avec moi, attends. T'es où, là? Tu restes sur la grande place. Attends, ben moi je suis là où il y a la fontaine. En haut? Oui. Tu peux pas? Ouais. Allez, plus qu'une. C'est bon? Voilà. Normalement, c'est bon. Merci beaucoup. Tu m'as gagné? Oui, tu m'as gagné. Ah, mais c'est les bières? Ah. C'est qui, Pam? Je ne sais pas. Pam a soif. Apporter une bière blonde. Ouais, moi aussi j'ai dû, mais je sais pas où trouver une bière. Est-ce que tu vas au... Est-ce que au bar on peut... Si, au bar, je vais te voir, il y a une bière, mais c'est marqué bière, il n'y a pas marqué bière blonde. Est-ce qu'on peut faire confiance? Peut-être. Ça coûte 400, hein, donc le risque. Oh ouais, non, alors attends, là c'est pour que tu bois alors. Je sais pas. C'est qui, Pam? Je la trouve pas vraiment. Ah si, Pam, c'est la blonde. Elle est blonde avec des gros nichons et elle a un débardeur violet. Mmh. Bon, allez, je tente, au pire, sinon je la vends. Ouais, vas-y. Allez. Est-ce que t'as vu une nana blonde avec des gros nichons? Non. Elle était sur la plage hier. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et elle est en crush sur quelqu'un d'autre, je suis désolée. Je m'en fous. Sur Alex. Non, elle est fermée, le forgeron. J'aurais dû aller voir le forgeron d'abord, je suis trop bête. Si tu vois une blonde avec des gros nichons. Ouais, je cherche, je cherche. Tu veux que je fasse un tour sur la plage? Non, j'y suis. Je l'ai. Ah non, c'est ça doit être elle. Mais elle est blonde. Ouais. Débardeur violet, gros nichon. Ah non, elle a un t-shirt bleu. Non, c'est elle. Excuse-moi. C'était une blonde. Pam, j'ai pas, attends. Est-ce que c'est la bonne bière? Eh, ça c'est vraiment quelque chose. Mille fois merci, super. Bon bah super. Voilà. Alors elle est où? Je vais aller au bar et je vais faire la même. Elle est au bar? Ah bah carrément. Tu l'as la... Comment se faire des amis? Terminé. Voilà. J'avais la quête, ouais. C'est pas le bar ça où je suis. Il est où le bar déjà? Mais ça y est, j'ai fait... Ah, oh là là, ça marche pas. Parce que Pam, là. Non, ça marche pas. J'y suis. Ça marche pas, okay. Parce que la bière que j'ai donnée, ça, elle a kiffé. Comme elle est vieille, ouais. Alcoolique. Mais là, à moins que. Non, trop tard. Où est-ce qu'on pourrait trouver une bière de houblon, je sais pas quoi, là. Je vais aller voir au magasin machin. Ah, ou au magasin là-bas. Tu crois que c'est ouvert encore? Oh, les grandes surfaces. Je vais niquer du bois en attendant. Elle est peut-être avec le caleçon du maire. C'est logique. Ils ont fait une drôle de partie et...
ça se tient. Alors, tac. Voilà, papier peint, graines de tomates. Hey, il y a des graines ici. Elles sont peut-être moins chères. Elles sont moins chères, ouais. Dégage le chat. Mais putain, on va pas se tomber. Va me chercher le fusil. Non, ils ont pas. On commence à avoir plein de choses à chercher là, mais on sait pas où les trouver. Je sais pas, y a pas de petits indices. Oh le chat. Ouais. Oh, c'est quoi ce spawn de merde? Et il bouge pas, hein. Putain. C'est ouf, hein. Allez. Ouais, dodo. Oh putain de chat. Alors, t'as vu tout ce que j'ai donné? Ok. On me lapide la Julie. Il trouve ça drôle. Dégage le chat. Oh, il y a plein de trucs dans le dans la cave là. Notamment des champignons. Je sais pas ce que t'as toi. Mais moi j'ai des champignons dans la cave. T'es où? Là où, quelle cave? Là où on est, tu sais, il y a une serre défoncée là, à 20 mètres de la maison. Oui. La grotte où la personne là, est venue pour gérer,
Elle a mis les trucs là-dedans. D'accord. Alors au niveau légumes, j'ai des maïs, du houblon et des myrtilles. Myrtilles besoin, maïs besoin. Houblon, tu as ? Donne, je pense pas que c'est un truc demandé, mais j'ai peut-être oublié. Je tourne ici. Est-ce que tu as besoin de champignons ou pas ? Oui. J'ai déjà donné une sorte d'amanite, tu mouches là, une belle rouge. Est-ce que tu as des bleus ? Non, j'ai une morille et champignons communs, ça te va ? Ouais, vas-y. Je sais que j'ai besoin de champignons, mais j'avais pas fait gaffe à quel exactement. Je vais faire les géodes, moi. Avec les trois belles, là, les grosses. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Du granit. Du minerai de fer. J'ai eu 5 minerais de fer. Non, sérieux ? Ouais, ça t'intéresse ? Ça m'intéresse ça quand on aura beaucoup. Parce que moi, pour mon arroseur automatique, il me faudrait... J'ai encore un minerai de fer, ça fait 6 en tout. Oh, ça pourrait le faire, ça. Pour un arroseur automatique. Moi, c'est la ruche. Ouais, ou la ruche. Eh, j'ai 11 minerais de fer. On peut faire 2 lingots. Pour la ruche. Oh, j'en ai 21. Mais comment t'as fait ? Ah oui, ok, c'est vrai. Les géodes. Et là, je fais les trois grosses. Attention. Dans la première, il y avait une pierre. Putain. Je suis tellement déçue. Oh, attends, dans la troisième, il y a de la pyrite. Ah non, je croyais que c'était de l'or. Ok, bon, c'est... Justement, les grosses. Caca. Hey, mais c'est jaune, ça brille. Je vais aller chercher les champignons après. Je vais juste au musée voir si ça intéresse les choses. Alors je peux faire don de... De plusieurs trucs. T'as besoin de rien toi, à part du fer, de ce que j'ai dit. Oui. Ah oui, Pam. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Pam ? Fermé pour la journée. Ah, attends. Quoi ? De quoi tu parles ? Je vois un caleçon qui est parti dans une chambre. La chambre de Marnie. Mais je sais pas si c'est le caleçon du... Alors c'est dans la ferme, tu sais. Celle qui est au sud, directement de chez nous. Ah oui ? Mais il est violet ? Oui. Eh ben c'est ça. Mais il faut être simple. En fait, il faut coucher avec Marnie pour avoir le caleçon de... Ouais, faut la baiser comme le maire, quoi. Ouais. Qui c'est Marnie, là ? C'est Maru ? Non, c'est Marnie. Maru. Ah, Damien.
Marnie. Mais alors Marnie, c'est qui Marnie? Parce que je sais pas. Tu veux que je regarde si moi je l'ai? Mais je regarde, je le vois pas. J'ai Marle. Si c'est Marnie, je dis. J'ai Maru. Ok. Non, j'ai Marnie en bas. Moi j'ai ouais, Maru. Okay. Je sais pas, tu m'as dit. Alors qu'est-ce qu'elle est, mais comment on peut savoir? Alors, catoque favori de Maru. Vous n'avez anniversaire 10 été, célibataire. Vous n'avez fait aucun cadeau de ce genre. Cadeau favori de Marnu. Fruits et légumes. Produits d'origine animale. Produits artisanaux. Produits cuisinés. Fleurs et objets ramassés. Poissons. Non, je sais pas du tout en fait. Qu'est-ce qu'elle kiffe là? Il faudrait essayer de faire un. Il faudrait checker tout ça. Les pierres un peu cheloues, c'est quoi? T'as, je vais te mettre les minerais de fer dans le dans la maison. Ouais, merci. J'en ai 21. Les pierres un peu cheloues, il y en a une là. Ouais, elles sont là. Je pense que les pierres, ça peut valoir du coup d'en mettre à vendre. Putain de cap. Qu'est-ce qu'il y a? Pêche. Voilà. J'ai résumé. C'est où tes champignons? Je les vois pas. Dans la caverne en haut. Ouais. T'as été dans la caverne? Ah, mais tu les as peut-être ramassés. Peut-être que... Est-ce que tu vois 6 cuves? Oui. Je les ai ramassées, ouais. Ah, putain, la pêche. Oh, ça me gonfle, je veux pas savoir. Ce gameplay là. Oh, ça me gonfle. Vraiment. Tiens, tire avec une vache. Ah, dans ton cul. Bon, qui c'est qui s'occupe de Ken Marnie là pour avoir la caleçon du. Quoi? C'était bizarre ce que j'ai dit? Non, c'est logique. Ok. Bon, elle est à la ferme, c'est ça? Ouais, mais y'a personne pour l'instant. Ok. Demain, je pense que je retourne à la mine. Ouais. Si tu veux pas et que tu veux que je t'attende. Let's go, hein. Et pour les minerais de cuivre et tout, enfin de fer, c'est plutôt intéressant, non? Ouais, c'est donc l'ouverture des géodes pour l'instant qui peut donner du fer. Ouais. Faut que je fasse une torche. Je sais pas, pour faire la ruche, là, moi je suis motivé là pour avoir des animaux. Ouais, ok. Il faudrait que je gère mon arroseur automatique pour être tranquille. Mais je sais même pas si ça va marcher en fait. Construire et puis attendre. Peut-être que ça va être la dernière journée aussi. Puis moi il me faudra un lingot de fer quand on sera richissime de fer, bien sûr. Bien sûr. C'est à donner dans mon, pour ma mission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des fours là? Minerai de cuivre et de la pierre. J'ai moitié envie de faire un autre four là. Oh, j'ai besoin de résine de chêne ou de sirop d'érable ou du goudron de pin, mais ça tu vas l'avoir grâce à ton machin là. Hein?
On n'est pas en automne. C'est la pierre que je veux. Normalement, non. Hop. Oh, il me faut 5 maïs d'eau avec une pierre dorée. Merde. En fait, tout ce qui est avec pièces dorées, il me faut... Je peux pas enlever le machin ? Il m'en faut 5. Bah si. J'ai eu peur. Hop. Mais si je fais ça, je le fais dans quoi ? Attends. Oh, j'ai un arroseur. Attends, avant de le construire. Non, je vais le construire. Arrose les 8 carreaux adjacents chaque matin. J'ai un arroseur. Je m'en fous. Il m'en faut plusieurs. Ouais, ben sache que moi je t'en rapporte un gratuitement. Mais je vais en faire un, voire plusieurs. Je suis jamais content. Hein. Sa chérie, elle fait tout pour lui et puis lui, il est pas content. M'en fous. Oh, j'étais trop fière de pouvoir. Merci, bah oui, c'est génial. Alors, je te place où ton premier arroseur ? Il arrose les 8 carrés adjacents. Ici, là, je jarte ça. Faut pas ? Bah là, t'es avec la faux, prends le truc qui racle la terre, je pense, non ? Je peux pas. Bah, faut attendre que ça mûrisse. Waouh ! Ça chauffe le cuivre, c'est compliqué à faire fondre. Le fer ? Ouais, pardon. C'est l'heure de faire dodo ? Ah oui, pardon. Demain, tu fais quoi ? Pardon, on va aller à la mine. Il y a le chat qui est froid, si tu veux. Et puis moi, ce sera ma dernière chance. D'accord. Faut que je fasse une torche. Tu veux la faire avant de partir ? Ouais, ça me prend 2 secondes. Ok. Je sais plus ce qu'il faut. Il faut de la sève. Ouais. C'est court par contre. Hein. C'est extrêmement court. Ouais, ça coûte cher pour. Et puis ça prend de la place. Après, si on fait, ouais, on met 5 ou 6 arroseurs. Non, mais au moins c'est fait quoi. Après, ouais, c'est chiant un peu au début, mais après, une fois que c'est fait. Voilà, parce que là, toute l'énergie que tu perds, là, je vais me chercher à balle de bouffe. Clair de main. Ouais, c'est petit, mais bon, allez, go. J'ai pris quelques trucs, on se partage de toute façon.
C'est fou, en été, il n'y a plus les mêmes... Attends. Moi, que ce soit ça qui remplace les verres. Non, je pense pas, non. Ouais, j'ai pas trouvé non plus. J'avais, tu sais, la torche dans les mains. Elle a disparu. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, ça, je prends. Oups. Vite, on s'en va. Oh. Mais non, mais t'en as oublié un de comme ça. Je sais pas ce que c'était, mais. Du minerai de fer. Ah, GG. C'est quoi ça? La c'est jade. Oh. Gunther peut apprécier dans son musée. Ah, tu me le passeras alors, j'irai au musée. Il est beaucoup plus violent par contre. Hein. Ouais, bah ce slime là. Normal. Oh, bah j'ai la sortie. GG. En fait, le cristal, tu le casses, mais tu t'as rien quoi. Oui, y'a rien, ouais. Hop là. Je sais pas comment tu fais pour l'avoir. Je suis sûr qu'il y a un moyen d'avoir le cristal. Bien sûr. Il y aurait différent. Non. Oh, les mouvements random de merde que je fais, on sent vraiment la grosse fatigue. Là, c'est bon, j'ai. J'aime voir le minerai. Oh, bah j'ai sorti. Je vais voir l'en bas et puis après, au pire, on remonte. J'ai juste un truc à prendre. On peut continuer. Attends, je crois que c'est. Ouais, y'a rien de spécial même de ce côté-là. Non. Nothing. Ah bah j'ai la sortie là. Si tu descends encore. Attends, t'es déjà descendu toi? Ah encore oui. Y'avait rien dans... Bah non, t'es là. C'est joli, j'aime bien là quand c'est éclairé comme ça. Ouais, 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 on est tranquille. Ouais, ouais. C'est quoi ça? Je souhaite. En fait, je suis... On peut pas avancer en même temps. Perturbant. Comment ça? Il y a full monstre. J'y vais, j'y vais. C'est quoi que t'as? Une épée. Non, c'est un truc. Non, mais que t'as ramassé. Quoi, un truc à la con. C'est peut-être un truc dont j'ai besoin, c'est pour ça que je te pose la question. C'était, je sais pas, un quartz ou une connerie comme ça.
Est-ce que c'était un quartz ou un truc comme ça? J'ai quartz et c'est tout en fait au niveau. Ok. C'est quoi ce petit machin tout noir? C'est presque. Oh, ça donne du charbon! J'ai un minerai bizarre et inconnu, ma chérie, en haut. Je te laisse le prendre en haut. Oh, j'arrive. Non, faut passer. Oui, je peux passer par là, si tu veux. Je sais pas. Je cherche la sortie. Je te laisse le prendre. Ouais. Ah bah j'ai une sortie ici, si tu veux. Ah bah voilà, nickel. J'ai deux sorties. Il y a deux sorties. Ici, si tu veux. Attends, on passe par là. Bah attends, je vais chercher le char... le... Vas-y, je continue. Vas-y. La topaze. Topaze, ah, je pensais que c'était de l'or, mais bon, ok. Non, je pense qu'on aura ça dans quelques... tu vois. Ouais, dans le biome prochain. Ouais, ou même dans 2-3 biomes. Hein. Ça se trouve. Hein. Déjà, on a dû faire. Oh, ça c'est quoi? Tu me disais quoi? La jade. Jade. Au secours. Ah bah ouais, tiens, on a sorti. J'ai encore une sortie numéro 2. Salut les enfants. Le temps que je trouve à chaque fois où se trouve mon épée. Ouais, moi aussi je bug. Ah, c'est la sortie ici. Je te laisse prendre ça. Péter les trucs là-haut. C'est tout ce qu'il y a à prendre ici? Ouais, je prends. On a des bottes. Encore? Vous avez reçu des bottes de toundra. Deux défenses et plus une immunité. C'est un tout petit peu mieux que les bottes qu'on a. On est au level 50. Waouh. Wow. T'as eu des géodes toi? Non. Parfait. T'as le fin d'un doshin là qui est dehors, t'as vu là? Sexy. J'adore l'idée des lucioles comme ça qui traînent, oui. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien le bruit des grillons. Alors tu veux garder quoi toi? J'ai une racine d'hiver. Non, on s'en fout. Si. Comment ça? J'ai rien de particulier, je peux tout vendre. Hein. Racine d'hiver, tu me l'as donné? Non, tu l'as eu spécialement, tu aurais réellement? Ah bah j'en ai, c'est bon. Ouais, si j'en ai besoin.
vagues magnétiques augmentent votre rayon de collecte d'objets. Comment je peux... Oui, oui, j'ai eu un truc comme ça un moment. Tu le veux? Sinon tu peux la garder comme tu veux. Bah, soit je me la mets, soit... Non, le fer, reviens là. Ah merde, j'ai jeté le fer. Ah c'est bon. Jade, tu as la jade ou pas? Oui. Ok. Voilà. Les bottes, qu'est-ce qu'on peut en faire là? Ben, on va les mettre. Ah si, j'avais mis à droite. C'est vrai. Non, c'est pour les anciennes bottes en fait. On laisse se coucher, sinon on va un peu décéder. Ah oui, déjà. Si j'ai pas le temps de tout ranger. N'importe quoi. Ouais, faudra ranger les coffres. Allez, fin de l'histoire. Fin du live. Fin de YouTube. Fin du monde. Ouais, c'est nul, hein. Les mines, les trucs. Quartz et compagnie, là, c'est dégueulasse. Hein. Ah ouais. Et chauve-souris, pas non plus ouf. Puis agriculture, non plus. Hein. Voilà. Quelle la mort. Tout est bien dégueulasse. Allez, bonne nuit.